Putain, faut vraiment. Ah oui, c'était bon. Oui, j'ai vu. Ouais, je la rebrancherai une fois qu'elle sera réveillée. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi et je suis trop contente de vous prendre. Ce matin, comme vous avez vu, on a pris le petit-déj, j'ai déposé Anna. Là, je viens juste de finir de monter le vlog. Et j'ai eu un épisode vomito. Genre, j'ai quasiment jamais de vomi de ma vie. Je suis pas quelqu'un de trop sensible au niveau, vous voyez. J'ai des haut-le-cœur et tout, j'ai des nausées comme tout le monde, mais vomir, franchement, je crois que j'ai dû vomir une ou deux fois dans ma vie. Une fois, je m'en souviens comme si c'était hier, je me suis réveillée dans la nuit et j'ai vomi. J'ai cru mourir. J'ai pas l'habitude, moi. J'ai pas la phobie de vomir, mais c'est vrai que quand ça m'arrive, je suffoque, je m'affole, je sais pas quand est-ce qu'il faut respirer, du coup je m'étouffe et tout. C'est horrible, je suis désolée pour les détails. Mais à un moment, je me suis tellement sentie pas bien que je me suis dit, je vais appeler ma mère, comme ça elle me tient compagnie, parce que là j'ai peur, là je suis pas bien. Et elle répond pas. Voilà. Donc j'ai voulu faire un live, mais j'ai senti que ça remontait. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de leur faire subir ça, genre les bruits et tout, j'ai pas envie. Donc j'ai arrêté. Et écoutez, là j'ai toujours cette sensation que je vais vomir. J'espère que ça va passer parce que j'ai pas envie de me réétouffer. J'ai pas envie de me réétouffer, t'imagines? Décéder de quoi? De vomi. La meuf, elle sait pas vomir, du coup elle savait pas quand il fallait respirer, du coup voilà. Voilà, bref, non mais trêve de plaisanterie, vaut mieux rire qu'en pleurer, mais c'est vrai que c'est quand même assez stressant. Et du coup je tire mon chapeau à toutes celles qui ont beaucoup vomi pendant leur grossesse. Donc là je vais aller me préparer à manger, parce que clairement j'ai vidé tout ce qu'il y avait dans mon estomac et je commence à avoir faim. Donc je vais aller manger et je me dis que le fait d'avoir un autre goût dans la bouche aussi, je pense que ça va me faire du bien. Donc je vais aller me préparer un petit truc à manger. Et puis voilà, donc écoutez, bienvenue à vous dans un nouveau petit vlog. J'espère pouvoir filmer à l'extérieur aujourd'hui, mais si je me sens pas bien comme ça, je pense pas sortir, franchement. J'ai pas envie non plus de me retrouver à vomir dehors, non merci. J'ai vomi par terre parce que j'ai mis un temps avant de me dire meuf, va aux toilettes, vite. J'ai mis du temps en fait à prendre conscience que j'étais en train de vomir, vu que ça m'arrive jamais. Et du coup j'ai passé la serpillière. Let's go. Une nouvelle journée qui commence bien. Franchement, je suis dégoûtée. Je me suis levée du bon pied. J'étais motivée et tout. Et ouais. Écoutez, c'est pas grave. On va faire avec. Donc, j'ai le ventre toujours. Donc, écoutez, une nouvelle petite journée. Ah oui, fais le point bidou. Voilà. Donc, voici où on en est à 6 mois de grossesse. C'est pas mal, non? Pas mal du tout. Pas mal du tout. Là, j'étais en train de monter mon vlog d'hier et je me disais, mais c'est fou. C'est fou. Mais quand je suis pas maquillée, décoiffée et habillée large, j'ai l'impression d'avoir 15 kilos de plus. Alors que c'est pas le cas. Même si j'ai pris, on va pas se mentir, mais ouais. Bref, allez, je vais préparer à manger et je vous retrouve tout à l'heure. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Appétit à moi, des petites pâtes express avec des petites boulettes de viande hachée. Donc bon appétit à moi. J'ai pas l'air convaincu. Hein. Tu vois? Et après quand tu le reclaques, il se...
Et comment ça, ça peut bloquer le... On va voir. Ça bloque tout seul ? Ouais. Regardez, j'ai un petit mari qui vient de rentrer. Coucou. Ça va ? Et toi ? Oui, pas trop fatigué ? T'es servi, dis donc. Ouais, bah ouais. La reprise est dure. Surtout quand il passe un week-end avec moi, en général, Pusher, il se repose pas. On voit comment ça marche. On va l'essayer sur celui-là, tiens. Allez, comme go. Ça, tu pourrais y ranger ton ordinateur. Ouais, ça serait trop cool. Pourquoi ? J'ai reçu les petits blocs portes. Alors, je les ai pris seuls. J'ai pris ceux-là en fait exprès parce que justement, j'avais pas envie qu'on voie un truc à l'extérieur. Donc ça, c'est aimanté. Il y a un petit zigouigoui là que tu colles de l'intérieur. Et on te donne un aimant. Donc que voici. Et en fait, tu passes l'aimant devant ton tiroir. Ben, ça le débloque. Ah, voilà. Donc là, Mister, il va essayer. Vas-y, tire fort parce que... Mais tu me l'as cassé. Je t'ai dit, il l'a déjà. Il l'a déjà. Bon, apparemment, tu le mets là. Tu le mets le plus haut possible. Tu veux pas le... Parce que j'ai pas envie que tu le colles des mains, tu vois. Mais... Ah, et lui. Ouais. Tu le mets là. Ok. Tu vois. Ouais. Et normalement, ça marche. Mais on vas-y, essaye. Allez, allez. Bon, on colle. T'imagines, en vrai, ça marche pas. C'est pas grave, on en a plein d'autres. Et franchement, on n'habite pas à Paris, hein, vraiment pas nous. On est dans le sud, on est vers Avignon. Et quand j'avais écrit livraison demain, Mister il m'a dit oui, bon, livraison demain. Voilà. C'est... Non, mais on pourrait croire ça. Mais pas très loin en fait, on en a deux d'Amazon. Ah ouais, ouais. Eh ben, j'ai été livrée ce matin, donc j'ai commandé dimanche et j'ai été livrée lundi, je suis trop contente. Allez, c'est parti. Il est cassé, ouais. Déjà, faut réussir. Ah, mais non, mais c'est la vis, c'est tout. Oui, elle est dévissée. Enfin, elle s'est arrachée. Voilà. D'accord. C'est bon, c'est bloqué. Donc là, c'est bloqué. Ah, peut-être pas au bon endroit. Tu vois ? Ouais. Et là, c'est ouvert. Non, mais en fait, on a pris le mauvais exemple. Ce tiroir, il est cassé. Attends. Je vais essayer de recoller un tout petit peu plus loin. Ouais. Tu vois, comme ça, il s'ouvre vraiment. Pas. Ouais, c'est là, il est pété. Ouais. Voilà, tu vois. Voilà. Donc là, il est bloqué. Là, il est bloqué. Et là. Et quand tu passes ton aimant. Ouais, bon, on va le faire sur un tiroir ouais, qui fonctionne. Ouais, il est cassé celui-là. Allez, bien, on donc, le fait sur les coup, filles, ça. Vous avez été. C'est trop bien. Vous avez été quelques-unes à me demander le lien. Donc ben, maintenant qu'on les a reçus, on va le tester quand même maintenant. Mais franchement, il m'a l'air pas mal. Donc je vous mets le lien en barre d'information. Ouais, vas-y. Alors, ça, tu le colles là. Allez, c'est bon. Pourquoi tu mets pas au milieu ? Où au milieu ? Ben, comme tu veux, en fait. C'est juste pour que ça gêne pas, quoi, celle-là. Ouais. Alors que là, si tu mets des affaires ici, ça va gêner. Ok, vas-y. Bon. Alors, on va le mettre ici. Hop. Hop. La deuxième partie, au fond. Ah ok, ouais. C'est assez long là, hein. Je crois que ça doit être par là, non? Je pense, hein. Vas-y. T'es trop loin. Ça fait... Ah merde, je l'ai mis trop. Faut avoir la main. Un peu relou quand même. Ah, je... Là, il est trop bas. Mais lui, on dirait qu'il est cassé, non ? Ah, voilà. T'es sûr que tu l'as mis à l'envers ? Ah, je l'ai mis à l'envers. Ah, voilà. Je me disais aussi. C'est lui, là, que j'ai mis à l'envers. Bon, on les installe et on vous reprend. Ça y est, on y est arrivé. Donc là, démo, Anna essaye d'ouvrir. Oh ! Elle va venir vers moi, elle va me dire « Clé, clé !» Je vais dire « Non, ma fille, vas-y. Il est cassé !» Elle va me dire « Oh, caqué !» Et en fait, on passe notre petit aimant et ça y est, il s'ouvre. Et du coup, moi, si un jour, genre, je veux vraiment faire chier Bas... Non, par genre, contre, non. Je prends tous les aimants non. Et je vais au bout. Mais dans l'après-midi, je vais racheter. Tu sais que n'importe quel aimant marche. Oui, mais bon, tu vas un peu galérer, tu vois, ça va être. Ouais, j'aurais trop la haine.
Je vais tous les prendre avec moi. Il y en a combien d'ailleurs? Il y en a 3 ou 4. Deux. Wow. Deux. C'est quoi ça? C'est un aimant ça aussi, non? Ah non, c'est le support. Des aimants. En fait, tu le colles. Par exemple, celui-là, je vais le coller ici, admettons. Je dis n'importe quoi. Ah oui, comme ça, tu le perds pas. Voilà. Ah, c'est puissant ce truc quand même. T'as vu? Ouais, il faut quand même assez qu'il soit assez puissant, hein, sinon il se voit pas. Bon. Allez, on les colle? Bon, bah super. Ouais, va manger, vas-y, je vais les manger. Vas-y. Allez, à plus tard, tiens, tu prends. Ouais. Je suis trop contente, je viens d'ouvrir un colis de chez Purelé, c'est le colis en fait de la Saint-Valentin. Et en fait, on m'avait dit qu'il y avait un petit cadeau pour moi à l'intérieur. Bon, j'ai ouvert que la moitié là, je viens juste de voir une partie. Je suis trop excitée. Je suis trop excitée. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé un cadenas avec écrit Hannah, le prénom de ma fille. Baby, avec une petite clé. Genre, c'est trop beau. Ah, je suis trop excitée. Bon, allez, je continue à ouvrir et je vous laisse mon code si vous voulez en barre d'informations pour celles qui sont intéressées par des bijoux. Hein. Vous savez que bon, moi, je vous en parle plus. Hein. J'en ai... je le porte depuis X mois. Le collier que j'ai reçu il n'y a pas longtemps aussi, ces boucles d'oreilles, ça vient de chez eux. Mon bracelet vient de chez eux. Celui-là aussi. Lui-là, il va avec, avec mon gros collier, là. Donc je vous le mets en barre d'informations. C'est des bijoux en fait qui craignent pas l'eau, qui durent dans le temps et vous avez vraiment pour tous les goûts du rose gold, du doré et de l'argenté. Voilà, bon allez je vous laisse, je vais plus de ma petite story et je vous mets mon code en barre d'informations. C'est un code qui va pas durer trop longtemps. J'étais pas censée vous le partager ici mais je suis trop excitée donc je voulais trop prendre ma caméra pour vous le dire. Mon code c'est cœur-basma qui vous donne moins 20% sur tout le site à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà, allez, je vais continuer, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ben j'en ai profité qu'il y avait Mister à la maison pour sortir un petit peu et aller à VM pour voir quelques trucs de déco pour le côté salle à manger. Donc je vais faire un petit tour ici parce qu'ils ont pas mal de trucs assez cool, je trouve. Enfin, je suis des comptes qui mettent de temps en temps les catalogues de BM et ça a l'air hyper intéressant. Du coup on va aller faire un petit tour, let's go. Bon, je viens de sortir et j'ai pris quelques petits trucs du coup de chez BM. Je vous les montrerai à la maison et on va tester ensemble ça. Ça c'était grave à la mode il y a un petit moment. Donc c'est une boisson avec des morceaux à l'intérieur. Je crois que c'est de l'aloe vera qui est à l'intérieur. Et le goût c'est fraise et coco. Donc on va goûter. J'aime trop. Alors, on dirait un sirop à la fraise avec des morceaux de fruits en fait. J'aime trop. C'est trop bon. Je viens d'entrer à la maison et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Alors là, c'est Babou. Bon, Mister, il déballe avant tout le monde, bien sûr. Quelle connerie ! À part les bocaux, mais là-bas, là. Ça hein, des mais c'est pour mettre dedans. Ah bah ouais, on va pas les laisser vides. J'ai pris des bocaux, donc j'en ai pris 3. Comme ceux-là, donc des moyens, qui font 1 litre. Et 3 des 600 ml, donc plus petits. Et ceux-là, je vous montrerai. Je vais les remplir, en fait, de bêtises, en fait, comme ça, du maïs. Là, j'ai des pépites. Là, j'ai des bonbons. Je les remplirai en fait et je les mettrai sur le meuble en dessous du coffee bar. Hop. Maintenant on va passer à Kiabi. Je suis trop excitée. Alors, la nouvelle collection pour les enfants, elle est trop belle. Vraiment trop trop belle. Donc... Ah non, descends là, descends là. Je lui montrer un avis, elle m'a dit oh, elle est belle. Ah oui? C'est pour qui ça, Anna? Nana. Elle est trop mignonne. Donc j'ai pris cet ensemble-là avec... à l'intérieur, il y a quoi? Je sais pas si c'est un body ou un pull. Non, c'est un pull. Donc un petit pull comme ça. Une combi short trop jolie, vraiment trop belle. Effet bloomers en bas. Et les petits collants. Donc ça va coûter 20€. Je l'ai pris en 36 mois. Anna, tu te pousses s'il te plaît? Ensuite, pour Noun, regardez-moi cet ensemble, il est plein de magnifiques.
Bon, par contre, le seul truc, c'est que je l'ai trouvé qu'en 24 mois. Du coup, je l'ai pris quand même. Donc ça, c'est pour... Regarde, Anna, ça te plaît? Regarde, Anna. C'est joli? C'est beau? Oh, il est beau? T'as vu les petites pommes? T'as vu les petites pommes? Beau. Oui, il est beau. Donc, un petit pull comme ça. Et en fait, avec, on a un petit pantalon. Trop beau. Je vais lui mettre... Je vais le mettre très très vite, vous allez voir, c'est canon. Et des petites chaussettes rouges. Je le trouve magnifique cet ensemble. Donc là, le haut était à 10 euros et le bas aussi, il me semble, ou à 8 euros le bas. Non, à 9 euros le bas. Ensuite, j'ai trouvé cette petite robe en réduction. Je l'ai prise en taille 36 mois, elle est trop jolie. Voilà. Et ça aussi, c'est pour Anna. Et oui, un petit ensemble comme ça, jaune. Avec un petit legging qui va avec, et un legging assez épais quand même, enfin plus épais que les normaux qu'ils vendent. Donc l'ensemble il m'a coûté 12 euros. Et puis c'est tout pour Nana. Pour moi j'ai pris ce petit pull, je le trouvais trop beau. En fait il était affiché à l'entrée, je l'ai pris. J'ai même pas réfléchi en fait, je l'ai pris. Voir. Donc il est rouge, simple, basique comme ça, c'est un taille S. Hop. C'est pour aller avec Anna quand elle sera habillée avec son petit haut avec les pommes là. Et j'ai pris cette robe. Alors écoutez, je ne porte jamais ce genre de robe, mais vraiment jamais, parce que je trouve que ça me va pas. Et comme je suis petite de taille, ça me tasse. Et étant donné que je suis enceinte, je me dis ça pourrait passer. Donc j'ai pris cette robe très très longue. Je pense qu'il arrive facile mi-mollet. Pour moi ce sera la cheville, je pense. C'est toujours ça le problème avec moi. Et j'ai repris deux petits leggings de grossesse, basique, simple, voilà, classique de chez Kiabi. Donc deux petits leggings noirs, et je crois qu'ils coûtent pas très cher, ouais, ils coûtent 9 euros. Donc voilà, franchement, les leggings en général, chaque fin de grossesse, tout le monde finit en leggings. Je ne suis pas à la fin, et je suis déjà dans cette catégorie de personnes qui traînent en leggings toute la journée, parce que sinon, je suis vraiment pas bien. Voilà, voilà pour mes petites emplettes de cet après-midi. J'avais trop hâte de rentrer, je vous jure, ça me manquait trop de voir ma petite nounette. Ndoudouze, t'as passé une bonne journée? Oui. Ah oui? T'as fait pipi? Pipi. T'as fait pipi, c'est pour ça qu'elle t'a changé le body? Bon, allez, je vous laisse, je vais aller ranger tout ça. J'ai mon linge à étendre, là j'ai monté une panière bien pleine. Et surtout il faut que j'aille préparer à manger. Non Anna, tu touches pas la caméra. C'est interdit. Ça y est, c'est bon. Ah. Mister, il a bloqué le meuble là où je vais mettre mes petits bocaux. J'en ai mis qu'un seul pour bloquer les deux. Ah cool. Du coup j'ai mis là. Ouais. Tu vois? Ah ouais. Vu qu'en fait il y a ça. Ah oui, bah oui. En fait un seul ça suffit. Super. Je vous ai pas pris depuis tout à l'heure, mais Anna, elle fait des petites crises parce que elle a remarqué qu'elle pouvait pas ouvrir les meubles. Ouais. Donc c'est crise sur crise depuis tout à l'heure. Enfin, râlage sur râlage. Et puis en plus, elle est tombée. En jouant avec la panière à linge, elle est tombée. Du coup, voilà. En plus, elle est fatiguée, donc ça arrange pas les choses. Mais maintenant que c'est servi, ça y est, silence. On n'entend plus personne là. Je t'en sers combien, toi, B? Moi, tu sais que j'aime bien. Voilà. J'ai fait pour ce soir gratin de courgettes. Et de ce midi, il me restait de la viande hachée. Du coup, j'ai mis des oignons, des olives, de l'ail, des poivrons, des épices. Et ma viande hachée que j'ai fait revenir. Et un petit gratin de courgettes en accompagnement. Bon appétit. Bon, on s'est posé un petit peu. Mais. Tu sais que je suis vraiment. Ouais, moi aussi. Donc on s'est posé un petit peu, on a regardé Netflix et là on est vraiment KO. Bonne nuit les gars, vraiment KO. On va aller dormir, Anna elle est au dodo depuis 8h30 déjà. Et nous on va la rejoindre. Du coup je voulais quand même vous remercier pour tous vos petits commentaires, pour tous vos petits conseils par rapport au salon, tous vos avis, franchement tout avis est bon à prendre. Alors la majorité disait que chaque pièce est belle, mais assemblée... Ben, vous aimez pas forcément. Donc ben, écoutez, moi je pense que on va donner une petite chance quand même. On va lui donner une petite chance à cet agencement.
Et on va attendre de recevoir le nouveau canapé, la nouvelle table basse, de fixer la télé au mur, de finir les fenêtres. Et je pense qu'une fois fini, avec les éléments de déco, les miroirs accrochés au mur, les cadres, etc., je pense que ça ne rendrait pas pareil. Donc, ouais, attendez. Attendez, ne le jugez pas trop vite ce salon. Attendez qu'il soit fini. Mais bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit pouce. Ça fait vraiment plaisir. Donc le petit pouce vers le haut. Et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao.